monde, on est reparti sur du Millenia et on continue la conquête pour la France. J'ai maintenant deux villes dans mon territoire. Il y a Rouen, la capitale, qui est bien établie avec 5 ouvriers, quelques troupes et une palissade qui va nous protéger des attaques ennemies. On a un village rattaché à la ville pour booster sa production, 2 champs de céréales, un élevage bovin, un endroit pour pêcher. Vraiment, c'est une très belle région. Et il y a Lyon qui est en cours de construction. Celle-ci se termine dans 8 tours. Ça va étendre mon territoire, me donner accès à de nouvelles ressources bien intéressantes et même débloquer un nouvel emplacement pour un village. Juste génial, on va découvrir tout cela ensemble en vidéo. Pour rappel, cet épisode est sponsorisé par l'équipe du jeu, merci à Paradox, ils ont sponsorisé 2 épisodes, c'est donc le dernier, mais j'aime ce type de gameplay et je peux donc tout à fait continuer ce let's play. Si vous êtes intéressé, dites-le moi dans les commentaires. Et bah du coup, on va passer le tour, je vois qu'il y a un camp de travail, voilà, qui va se terminer au tour prochain à Rouen. Ça a débloqué quelques améliorations. Ouh, bah une nouvelle route même qui nous relie aux États-Unis au nord. Oh, super, super. Bon, alors, du coup, que lancer? Alors, il me faut de la cavalerie. Je vais ensuite lancer le marché. Ça, ça va être intéressant. Ça va donner de l'XP de diplomatie. Tout cela, mais il me faut... Oh, on va même accélérer 100 pièces. Ah oui, mais j'ai pas beaucoup de pièces. Je crois que j'ai 120 pièces. Donc, on va pas accélérer la construction. Ouais, ça a utilisé tout mon budget. Là, j'essaye de trouver une nouvelle merveille pour pouvoir faire une avancée vers un nouvel air assez rare, on va dire. Donc, je vais peut-être aller vers le nord. Je suis allé vers l'est. Il y a trop de barbares. On s'est fait tuer. Ouais. Donc, on a normalement accès aux hautes montagnes. Et au désert du Sahara, c'est le deuxième. J'espère que les États-Unis n'ont pas tout fait là-haut. C'est ce qu'on va voir. Oh, ils lancent une nouvelle ville également et ils se rapprochent de nous. Non. Bon, il n'y a pas grand-chose d'intéressant là, donc ça va. J'ai bien quelqu'un qui protège Lyon. Donc, fin du tour. Alors, 3200 avant Jésus-Christ. Ok. Ici, toi tu continues. Est-ce que je peux accélérer? Ça coûte maintenant que 40. Mais bon, pas grave, on va débloquer ça au tour suivant. Lyon est toujours en cours, je peux rien faire d'autre. Il y a eu quoi là-haut? Il y a eu quelque chose. Là, il y a eu quelque chose, je sais pas ce que c'est. Bon, alors. Du coup, ça c'est bien l'éclaireur. Et alors, il y a une route. Est-ce que ça veut dire que la pénalité de la forêt est éliminée? Allez, on va essayer, on va voir. Je pense que je suis encore un petit peu limité. Peut-être c'est partiellement éliminé, mais pas complètement. Ah, il me faudrait peut-être plus de troupes ici. Non, le marché. Pour le moment, on n'est pas en guerre, hein, donc 500 pour accélérer la construction du marché. C'est hors de ma portée. Mais bon, avec le marché, on devrait gagner plus d'argent. La culture. Ah, on passe au niveau... on remplit la culture pour quelque chose, créer une ville. Ah bah, un village, ça, je veux le faire. Réforme locale. Eureka, ça, c'est également pas mal. On est en plein âge de fer. Ah, oui. En tribal. Lever une armée. Maîtrise de cette forme de gouvernement. 10 d'innovation, plus de culture. On va peut-être soit faire ça, soit essayer de construire une autre ville. Ah, je pense pouvoir poser le village. Je vais le poser à la frontière de la région de Lyon. Donc je vais essayer de le poser là pour voir si je peux m'étendre vers ici. Sinon, je vais construire une ville là. Ah, on a du poisson. Ah non, j'ai les 3. J'ai les 3, j'ai le désert du Sahara, j'ai le Grand Canyon, et j'ai la haute montagne, donc j'ai les 3 merveilles nécessaires. Ah bah génial, j'ai les 3 merveilles nécessaires. Bon, toi c'est bon. Vous voyez, on ne peut pas traverser la forêt, on a assez pour faire demi-tour, mais pas pour continuer. C'est-à-dire qu'on a toujours la pénalité de la forêt. Bon, toi, protège la ville, hein. Choisir une technologie. Exploitation minière. Donc on a débloqué... la carrière, qui est un aménagement, donc c'est-à-dire que ça se pose sur la carte. On a débloqué la taillerie. La taillerie, c'est quoi? C'est pour tailler la pierre, d'accord. C'est le nom, d'accord, je connaissais. C'est un mot que je ne connaissais pas. Fait apparaître un pionnier sur votre territoire d'origine. Ouh, ok. Et mine aménagement. Donc là, on va peut-être pouvoir trouver de nouvelles ressources sur le territoire. Donc maintenant, je peux aller à l'âge des héros. Il fallait les 3 merveilles pour l'âge des héros. Et ça va apparemment vraiment changer le gameplay si on se base sur ce que l'on a vu dans la pop-up enfin. Donc, alors les humains sont toujours
et ont toujours été des conteurs d'histoire. La frontière entre histoire et mythe a souvent été floue, et ça n'a jamais été aussi vrai qu'à l'âge des héros. Durant cette période, des héros de légende parcouraient la Terre, partant à la recherche de trésors fantastiques, et effectuant de remarquables voyages remplis de découvertes et d'héroïsme, dont on se souviendra pour des siècles, pour les siècles à venir. Au fil de votre progression dans le troisième âge, choisissez votre nouveau gouvernement, ouvrez de nouvelles possibilités avec le dernier domaine, les arts, utilisez une région pour répondre aux besoins d'une autre grâce au commerce intérieur. Ça apporte la première série de nouveaux gouvernements. Au fil de votre progression dans l'âge des héros, formez de puissants héros pour aider votre nation. Envoyez vos héros réaliser des quêtes épiques sorties tout droit des légendes. Donc est-ce qu'il va y avoir des créatures mythiques qui vont apparaître sur la carte? Découvrez les technologies mythiques que l'on pensait impossibles. Terminez 4 quêtes pour débloquer le bâtiment légendaire du Parthénon. Oh, tout cela, très intéressant. Bon, on va faire l'âge des héros. Ça me plaît. Et on va terrasser nos ennemis. Du coup, je ne sais pas si les autres vont également avoir accès à l'âge des héros. À la fin du tour. Oh. Je peux pas passer? Ah, je suis bloqué par les états et par leur territoire? Parce qu'on n'a pas le droit de passer? Oh, je m'y attendais pas à ça. Okay. Voilà. Ok. Ben, on va faire le contour. Hein. Les tours. Ensuite, Lyon, combien de tours encore? 4. Rouen, 9 pour ça. Est-ce que je peux boost un petit peu? On a beaucoup de production de nourriture. Est-ce que je peux pas lancer plus de production là? Ok, et là ça a passé à 8 tours. Je les ai retirés d'où en fait? Ok, toi on va être bloqué. Je veux qu'il y ait tout le temps quelqu'un là. On va retirer une personne là et on va la mettre là. J'aimerais bien les poissons parce que ça c'est une ressource. Et j'aimerais bien la ferme également parce que... J'ai pas assez d'ouvriers en fait. Le ton c'est 5 de nourriture donc c'est plus intéressant que le blé. Je suppose qu'il faut 2 ouvriers pour pouvoir avoir les 6 là. Donc au final... Ok, on va rester tel quel, je pense pas avoir... Enfin, j'ai diminué de 1, bon ben, très bien. Utiliser un pouvoir culturel. Créer une ville. Alors on va attendre parce que je pense pas pouvoir. Si je peux la créer là, mais ouais mais là, je pense pas que ça va me laisser. On va essayer. On va se mettre là. Ah c'est bon. Toulon. Ok. Je pensais pas pouvoir. Pas du coup. Une fois que Lyon est prêt, Toulon va s'étendre. J'aimerais bien avoir obtenir accès au serre. Je n'en ai pas. Ça me donne quoi? De l'os ou du cuir? De l'os. Ce qui produit plus d'argent. Donc c'est converti en argent. Oui. Poissons bien, et la viande sont bien entendu convertis en nourriture, ce qui booste la croissance et tout ça. Du coup, fin du tour. Il commence à en avoir assez de notre... C'est vous qui vous êtes étendu vers nous, quoi. Bon, alors, va falloir se lancer dans le militaire, là. Donc, en guerrier... Les Spartiates n'ont pas de coup d'entretien. On va attendre, parce que je peux le lancer plus tard. Est-ce que je peux voir ce que je paye pour les deux d'entretien des unités? Mais j'ai perdu mon Spartiate. Ingénierie, qui me permet de faire quoi? Amélioration publique. Ce qui donne des points d'emménagement. Apparition de pionniers. Pour construire des avant-postes. Bien sûr. Développer une ville. Augmente son niveau de 1. Et reconstruire une ville détruite. Oh, intéressant. J'étais pas censé... Ah non, j'ai obtenu accès à l'apparition des pionniers, mais je n'ai pas eu le pionnier qui vient avec. D'accord. J'ai l'impression. Toi, tu vas là-haut. On va passer par là. Oh oh. Encore des barbares! Il y en a trop! Ah! Oula! Oh, c'est la guerre des mares. La guerre des mares, vraiment? On est en guerre contre les États-Unis officiellement ou... Ok, donc déjà, la bataille là. Donc là, il y a surtout une pénalité au moral, plus qu'au point de vie. N'a pas pu nous attaquer. Alors si je te sélectionne,
je peux te soigner. Ah bah tu vas aller là-haut. Et je te mets en mode, voilà, défense. Ensuite, le village, je vais quand même, le marché, je vais quand même tenter de laisser le marché se terminer. Je sais pas si c'est une bonne idée. Ou les barbares qui se rapprochent de la ville. Une autre bataille là. On va accélérer. Ok. Je pourrais les éliminer. Mais si je le fais. C'est pas grave, si je le fais. Je vais être trop pénalisé. Donc on va là-haut. Qu'est-ce qui se passe? Rien de spécial. Tu vas là. Et tu vas te soigner. Voilà, je veux aller là-haut, mais pour voir ce qu'il y a plus haut, mais les gars me laissent pas le faire. Ah, 4. Alors, prochain coup, on va avoir un ouvrier. Je vais le mettre dans la production pour accélérer. Ok. Ouh. Les États-Unis, est-ce qu'ils vont m'attaquent? Qu'est-ce qui se passe là? Ah! Ah, changement d'âge! Ah, la Grèce! L'âge de fer! Les mines sont 20% moins chères durant l'âge de fer. Oh, ils nous ont forcé à aller à l'âge de fer. J'allais faire l'âge des héros. Non. Vraiment. Bon. Ok, donc c'est les barbares qui nous ont attaqués, pas les États-Unis. C'est déjà ça. Où est mon unité? Ok, elle est là. Très bien. Oh, la Grèce, vraiment. Tu m'aurais laissé un ou deux tours et on aurait eu l'âge des héros. C'est top. Ouais, c'est comme ça. Lyon. C'est bon, là? Ok. Ah. Ok, donc les États-Unis nous attaquent, hein. C'est pas un combat particulier, donc... Alors, je suis démoralisé. Si je me fais attaquer, là, mon unité disparaît. Donc, hop, on va là-haut. On soigne. Et on va se poser là, à se reposer. Du coup. Lyon. Intégration 15 sur 15. Tribal. Non, je vais partir ça pour le moment. Guerre. Des volontaires. Si on se fait attaquer, on va sortir ça. Alors, là, je pense que ça va fusionner. Non, pas encore. Moins 21. Restaurer la neutralité, déclarer la guerre. Mais ils nous ont déjà déclaré la guerre, donc pour le moment, ça va peut-être être le moment de voir ça. Je suis surpris quand même que... Pour Lyon. Ici, un tour pour le marché. Protège la ville, s'il te plaît. Voilà. Alors, commerce. Vous avez construit un marché dans l'une de vos régions. Le marché a un emplacement pour les importations étrangères. Sélectionnez l'une de vos capitales ayant un marché. Assurez-vous que l'onglet travailleur est sélectionné. L'onglet travailleur est sélectionné. Puis, sélectionnez l'emplacement importation étrangère d'autres. Ok, alors, on a quelques problèmes. Avec les États-Unis. Ok, les biens commerciaux, ça veut dire quoi les biens commerciaux, c'est ça? J'en ai 8, d'accord, donc je vais faire de l'échange avec ça. Est-ce que je peux pas choisir? Ça, j'en ai pas mal. On va voir, on va lancer. Alors. On va lancer un petit peu plus de production. Donc, toi, on va retirer le bonhomme et le mettre là. Voilà. Maintenant. Garde de la ville. 7 attaques, 10 défenses, 50 santé. Deux tours. Pas trop la différence.
Ah, modificateur de combat, 1.5 de défense sur la tuile. D'accord, donc ça, c'est effectivement mieux à mettre dans une ville. Il me faut intégrer donc point de gouvernement, ça va être au tour suivant. Ok. Je vais intégrer Lyon. Pourquoi est-ce que tu m'ouvres les nations? Voilà, fallait cliquer okay, sur la population. Intégrer. Génial. Maintenant, Lyon. Palissade tout de suite. Et récolter plantation. Récolter plantation. C'est pour cela que j'attendais. Ah, j'ai pas assez de points. Ok, deux tours, on est bon. Est-ce que je peux mettre de l'argile? Ok, de l'argile là. Super. Il va falloir s'étendre vers là-bas. Et donc maintenant. C'est marrant là, qu'il faut intégrer la ville avant. Est-ce que j'ai autre chose à faire ici? Je n'ai rien de particulier à faire. D'accord. L'âge de fer. L'art disponible. Nouveau type de gouvernement. Et le fer est maintenant disponible. On a la possibilité d'adopter un nouveau gouvernement. L'arbalète, grenier, monument, tour de garde, magasin, place, amas d'ordures. Ok. Alors. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il faut faire une révolution si on veut. Et 50 points, d'accord, ça va attendre. Guerrier. Les Spartiates, on va prendre ça. Ok, donc je vais en faire dès que je peux. Ok. Choisir une technologie. Alors, les nouvelles. Fonderie. Est-ce qu'on a du fer? Si on veut se lancer... Oh, ça peut être intéressant. Mais si on veut se lancer dans la guerre, il faudrait sûrement faire la fonderie. Question, c'est est-ce qu'on a du fer dans notre territoire? J'en vois pas, là. Ça aurait été trop de chance. d'accord. Et... Je veux... Qu'est-ce qui manque là? Par discipline. Améliorer un grenier. Monument. D'influence, et ça fait pas beaucoup de tours. J'aimerais surtout... L'arbalète, ok. Je veux de l'armée. J'ai pas de spartiate là, donc ouais, va falloir faire avec. Fin du tour. Lyon est maintenant niveau 2. Crise de la peste. Ok. Donc faut de l'assainissement. Donc faut construire les bons bâtiments pour. D'accord. Bon, on va attendre. Déjà, on fait notre gala. Ok. Super. Ça, c'est pour le commerce. Il me faut trouver quelqu'un d'autre. Donc là, j'essaie de trouver une autre nation, mais... Ah. On n'a pas le choix. Ah, mince. Il y a des barbares. Alors, je vais devoir faire de l'exploration avec des soldats, je pense. On va passer ça. Toi.
là-bas. Ah, j'aurais peut-être pu l'éliminer, lui. Il fuit. Je vais te rattraper. Alors. Ah, il s'est fait éliminer. Bah, attaque-le. Donc. Oh! Oh, il est plus costaud! C'est un boss! Ah, oh, c'est un boss! Zut! Bah, soigne-toi parce que ouais, tu vas probablement mourir sinon. D'accord. C'est un boss barbare. Ici. Toujours en train de construire. Rouen. Je suis à 22 points. Ah oui, 22 points. Voilà. J'ai une plantation. On va aller là-bas pour l'argile ensuite, vu que j'en ai pas encore. Alors, ah, je crois qu'ils ont éliminé. Ouais, ils l'ont éliminé. Zut. Ouais, il avait plein de vie, mais juste pas le moral. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que je pense que j'aurais pu éliminer le boss barbare, et donc monter le level. Mais bon, c'est comme cela. Donc du coup, je vais essayer peut-être de me concentrer sur les États-Unis, vu qu'ils nous provoquent. Et pour cela, il me faut des troupes. Donc j'ai ces trois bonhommes. Le défendeur, tu restes dedans. C'est sur le défendeur. C'est quoi ça? Un pionnier? Oh, j'ai un pionnier! Ok. Pionnier, je pensais pas en avoir un. Ouais, le problème, c'est où aller? C'est où aller? Là-haut? Créer un avant-poste. Je sais pas si j'ai assez... Ça, c'est un avant-poste? Je pense pas que c'est un avant-poste. Hein. C'est une ville, un village. Mais on va essayer de créer un avant-poste là pour... Réservé. On va voir ce que ça va faire. Du coup, toi, deux tours pour l'arbalète. Et je pense qu'on va attaquer avec ça. Ouh, ok, on a étendu notre territoire. Bravo, Toulon. Je sais pas, c'est le point de... Ok, on va attendre. Je vais pouvoir produire... Alors, le lin va me donner quoi? Plus 2 de richesse, donc plus d'argent chaque tour, ça c'est cool. Ouais, suivant, c'est pas... Ah oui, toi. Ne réalise aucun déplacement. Est-ce que je vais peut-être me mettre là? Parce que ça va être plus facile pour eux de s'étendre par là, je suis pas sûr. C'est quoi? C'est du fer! Oh, on a du fer! Ok, mais si je me mets là, de toute façon, tac, tac, ok. Donc ça va faire 2 tours. Et ils ont toujours pas eu les points pour rattacher ça à leur territoire. Donc je me mets là. Et bah tu vas attendre au tour suivant. Là-dedans. Il nous faut plus de monde. J'ai au moins 3 soldats envoyés. Bande armée, ça va faire un tour. J'ai quand même des gars qui essayent de péter les fortifications. Ok. Un avant-poste, super. Donc ça, c'est un avant-poste qu'ils ont fait au final. Peut-être que je peux rattacher l'avant-poste ensuite à mon territoire. Comptoir d'échange. Ah, j'ai pas la technologie. Ah oui, j'ai pas la technologie pour les mines de fer. Mmh. Du coup. J'ai les 3 là, j'ai pas ça. Toi, tu vas me donner 2 de richesse. Et on peut en faire si on fabrique un moulin. J'hésite un petit peu. Ça, c'est du riz, hein. Ouais. Voilà. On va pas gâcher la ressource. Ah, j'ai fait l'avant-poste et t'as pas disparu. Là, c'était un garde de la ville. Bah, tu vas garder là. Je comprends pas encore le système d'avant-poste.
améliorer en arbalète. Okay. Je peux pas t'améliorer. On peut essayer d'attaquer là-haut. Je crois qu'il va falloir déclarer la guerre. Et toi, tu vas me faire un garde de la ville. Ça y est, Lyon a sa muraille. Parfait. L'agitation monte dans une de nos régions. Ah, parce qu'il n'y a plus de soldats. Donc on a trop de monde et l'agitation monte ici. Pas de problème. Un soldat arrive dans deux tours. Ou alors, je peux pas aller là-haut, donc je peux. On va te laisser là. Et je vais les sortir au tour suivant. Comme ça, l'agitation ne va pas se développer longtemps. Lyon. Trop de temps. Donc, il va falloir développer camp de travail. 24 tours. On n'a rien pour augmenter la production. Bon, ben, camp de travail, hein, et puis... On va voir si je vais payer pour. Ouh, le coût d'entretien des unités commence à plomber mes revenus. C'est bon, donc là maintenant on y va. Et si je clique... Non, pas là. Là. États-Unis. Déclarer la guerre. Ok, ils sont plus puissants que nous, c'est ça ? Pas grave. Message envoyé. Est-ce que je peux maintenant... Je peux pas me déplacer. On va voir ce que ça a donné. On a rencontré une autre nation. L'Espagne. Elle vient d'où? Avant pas se détruire. Ok. Toi, tu vas garder la ville. Je veux améliorer le grenier, mais je veux des gars avec des arbalètes. Faire gaffe à nos revenus. À Lyon, en fait, on a trop de choses. Et pas assez d'ouvriers. Okay. Un pouvoir culturel. Créer une ville, je pense que je peux pas le faire. Là, c'est croissance négative, ok. Ok, absorber un avant-poste. Pourquoi je peux pas? Ah, il faut un emplacement de ville ouvert. Ok, bon, très bien. Apparition des Spartiates. Je vais les mettre où? Dans une ville. On va les mettre là et on va les envoyer là-bas, à Pittsburgh. On va perdre des unités, donc ça devrait... ouais. J'ai envoyé les deux là. J'ai envoyé les trois. Il n'y a plus de défense à Rouen. Ok. On va corriger ça au tour suivant. Oh. Pour créer un pionnier. Okay. Donc on est là. Ah, ils ont un général. On l'a eu. Oh. Et on a d'autres derrière.
Ah oui, on a maintenant celui-là. Mais... Ok, on l'a eu, c'est cool. Très bien. Lui, j'espère que... Bah ouais, on attaque Pittsburgh. Ok, nos unités sont meilleures. Et ils n'ont pas de mur, donc ils n'ont pas de défense particulière. Ah, fallait éliminer celui-là. Encore deux. Ah, ok. Lui, on ne va plus attaquer et on peut le faire fuir. Ça va être le tour suivant, pas de problème. Alors maintenant, ce qui m'inquiète, c'est Rouen. 5 tours. J'ai pas l'argent pour. On va laisser tel quel. Je peux peut-être envoyer lui là et protéger Rouen. Et on va abandonner cet avant-poste. On va se mettre là, en espérant ne pas le regretter. Là-haut. Ils ont beaucoup d'unités quand même. Oh, ils m'ont eu. Ils m'ont eu. Ok. On va augmenter le niveau d'une de nos villes. Alors. On va déjà voir la bataille, ce qui s'est passé. Ah ouais. Chariot, archer... Et nos gars étaient déjà bien endommagés. Morale bas. Ok. Comment est-ce qu'ils ont 4 unités dans le même? Moi je peux les mettre que 3 par 3. Ok. Et on a ça qui arrive là. On a ça qui arrive là. Si je vais... Alors dans l'ingénierie, on a droit à quoi? Pionnier, développer une ville, reconstruire une ville... Mais pas valide. Bon, ben, très bien. Guerre. Volontaire. Guerrier. Rien. Okay. De toute façon, si on se fait attaquer, on a au moins la muraille pour se protéger. Dans les nos deux villes. Je pense qu'à impacter leur civilisation là ne me fera pas de mal. Par contre, ils ont. Nos gars sont résistants, mais ils ne font pas beaucoup de dégâts. Hein. Ou alors, c'est les gars en face qui ont beaucoup de points de vie. Ok, bah vous allez résister un tour de plus. Ah, tu sors d'où toi? Si l'unité meurt pas, je peux la soigner avec le temps. Donc, Capitale régionale conquise. Population de la capitale perdue, pas de chez moi. Hein. Richesse pillée grâce à la population 10. Ah, on est repassé en positif. Richesse pillée grâce à la taille de l'agent 35, KO généré 20. Ah, et donc maintenant, je peux décider... Ok, reposez-vous là. Si j'absorbe cet endroit comme j'ai fait avant. Il faudra faire la révolution à un moment. 50 points, il faut attendre. Guerre, volontaire. Je sais pas ce que ça donne les volontaires. C'était quoi? C'est quoi déjà le... Ah, il faut cliquer là. Voilà, d'accord. Il faut les points d'intégration et après on peut claquer les points gouvernementaux là-bas. Ok. Voilà, bah, je suis content, j'ai pu conquérir une ville ennemie. Alors, pas de bataille de siège pour le moment, mais ça peut faire l'objet d'une vidéo future. Dites-moi si ça vous intéresse. En attendant, pensez au petit pouce bleu. Pour rappel, c'est une vidéo sponsorisée. Le lien est dans la description si vous êtes intéressé par le jeu. Et moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye!